I understand there has been an agreement to allow the honourable member for Barassa to say a few words. Monsieur le Président, il semble que vous aurez la vie plus facile à partir de lundi. Vous aurez en effet un peu plus de quiétude en cette chambre, juste un peu. Une voix familière que vous avez l'occasion de rappeler à l'ordre ne sera plus des vôtres. En effet, c'est avec beaucoup d'émotion, Monsieur le Président, que je me présente devant vous aujourd'hui pour saluer une dernière fois mes électeurs et mes collègues en ma qualité de député de Bourassa. Je vous annonce mon départ de la vie politique fédérale le 2 juin prochain, soit 16 ans, jour pour jour, où la population de Bourassa m'a donné ce privilège de les représenter, et ce, à 6 reprises consécutives. D'ailleurs, vous me permettrez de saluer et de remercier les électeurs et électrices de mon comté qui, année après année, dans les bons moments comme dans les difficiles, m'ont fait confiance. Je remercie également les membres de mon exécutif et les milliers de bénévoles qui m'ont permis d'être parmi vous pendant toutes ces années. Vous me permettrez également de saluer tout mon personnel, Maurice, Joe, Lise, Sylvia et Roland, qui, à Ottawa comme à Montréal-Nord, ont toujours servi avec beaucoup de professionnalisme les citoyens et les citoyennes du comté. Ils ont non seulement livré la marchandise, mais ils ont démontré beaucoup de sensibilité et d'efficacité dans les dossiers les plus difficiles. Souvent, la plupart du temps, vous le savez, les gens viennent en dernier recours et croyez-moi, ils ont fait des miracles. Merci beaucoup, mes amis. Merci, Maurice. Évidemment, 30 ans de vie politique au fédéral et 16 ans comme député demandent beaucoup de sacrifices pour la famille. Je me dois de saluer et de remercier mon épouse Chantal, mes enfants Geneviève et Alexandre pour leur compréhension et leur sacrifice. Je remercie ma famille d'avoir été toujours là pour moi. Je m'excuse de ne pas toujours avoir été présent, mais sachez que je vous aime profondément. J'en profite aussi parce qu'aujourd'hui, c'est la fête de ma mère, Lucie, qui nous regarde. Alors, maman, je te souhaite une bonne fête. C'est pas rien. Puis merci à toi et à papa d'être parmi nous. I'd like to thank and salute my colleague from the caucus and from both sides of the house. It's been a privilege to be next to you. Of course, we had some fights a few times. We don't understand each other. You don't understand my French. I don't know my expression. But nevertheless, it's been a privilege to be sitting with you. Alors, merci beaucoup. Je salue les employés de la Chambre. Merci aux agents de sécurité que je saluais tous les matins. Respect, les amis. Merci aux pages, aux sergents d'armes, à Mme la greffière et à son personnel, ainsi que les autres officiers du Parlement. Je salue particulièrement les interprètes, on ne dit pas traducteurs, on dit interprètes, hein, OK, de la Chambre pour leur courage, leur professionnalisme et leur détermination en tentant de me comprendre lorsque j'utilisais mes expressions, disons, typiques. J'ai aimé siéger... On peut les applaudir parce que la boucane sort. J'ai aimé siéger à la Chambre des communes, soit comme député ou comme ministre. Je remercie d'ailleurs particulièrement le très honorable Jean Chrétien, qui m'a permis de faire une différence marquée dans le sport au Canada ou en défendant les valeurs de notre pays à citoyenneté et immigration après les événements notamment du 11 septembre. Je remercie aussi le premier ministre Martin qui m'a nommé notamment comme ministre de la Francophonie ou comme son conseiller spécial dans le dossier d'Haïti. Je suis particulièrement fier d'avoir obtenu l'Agence mondiale antidopage pour Montréal, de créer une vraie politique du sport au Canada, aider nos athlètes olympiques et paralympiques et nos entraîneurs, d'assurer que tous les athlètes francophones et anglophones qui puissent se faire respecter dans leur langue et qu'ils ne puissent être à la merci de leur fédération en créant ce qu'il allait devenir par la suite le centre de règlement des différends de sportifs au Canada. En matière d'immigration, je salue d'ailleurs mon collègue Jason Kenney, pardon, le ministre de l'Immigration. J'ai mis l'accent sur la régionalisation de l'immigration en signant des ententes. And one of the one that I'm the most pleased with is the one that we've signed with Manitoba. This is an historical agreement where now Manitoba can pick up their own immigrants. And I think it was good for economy, it was good for the people. J'ai encouragé l'immigration francophone dans tout le pays, simplifier le fameux système de points
et provoquer des débats importants comme la création d'une carte d'identité nationale et l'utilisation des données biométriques en ligne. Vous me permettrez, Monsieur le Président, quelques messages, parce qu'en 16 ans, on peut se permettre d'en donner quelques-uns au gouvernement, comme à l'ensemble de mes collègues, tous partis confondus. Le Canada est un pays magnifique. Sa richesse vient de sa diversité, de sa mixité. N'oublions jamais que nous avons deux langues officielles et que personne ne doit se considérer comme un citoyen de seconde classe. Le français existe partout au pays et le gouvernement du Canada, dans ses gestes, doit assurer le respect de nos francophones. And it means also that the judge of the Supreme Court should be bilingual. Le multiculturalisme est une valeur canadienne importante, mais on ne doit jamais choisir entre cette valeur et le bilinguisme. Ce sont deux valeurs complémentaires, mais qui ne doivent pas être mises en compétition. Respectez la fonction publique et arrêtons de s'en servir comme bouc émissaire ou chair à canon. Ils font un travail formidable, ils sont professionnels et font partie de la solution. Arrêtons de mettre une région contre les autres. Le Canada est fort quand on respecte la spécificité de chaque province et territoire. Pour moi, le Québec est une nation et doit être respecté comme tel. Assurez-vous de ne pas mettre de l'huile sur le feu constamment pour provoquer, mais utilisons cette belle diversité pour solidifier nos liens. Finalement, nous avons besoin de plus de transparence dans notre Parlement. La démocratie est fragile et c'est notre responsabilité de la protéger. Mon seul regret, Monsieur le Président, c'est de ne pas avoir pu rendre justice au fondateur du Manitoba et au père de la Confédération, Louis Riel. Cet homme est innocent et on doit réparer l'erreur. Monsieur le Président, en terminant, le philosophe grec Épictète a déjà dit, « N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. » Quant à moi, comme dans la chanson d'Ariane Moffat, « Je rentre à Montréal. » Je serai candidat pour la mairie de Montréal, magnifique métropole du Québec. Je vous avertis, si vous pensiez que je chahutais en chambre pour me faire entendre, sachez que ma voix se rend de Montréal jusqu'ici. Apprenez le mot du jour, incontournable. Monsieur le Président, j'ai adoré siéger ici. Ce fut un honneur d'être parmi vous. Il n'y a rien de plus noble que d'avoir la confiance de sa population. Le pouvoir, cependant, d'être ici n'est pas un droit de propriété, mais un emprunt à terme variable. Souvenons-nous-en. Merci les amis, ce fut un honneur. Bravo.